On est de retour sur tous les spectateurs de partout où vous le captez. Tout ça déjà la deuxième partie émission Abisson, donc face à FK. Et dans cette partie, nous réceptionnons invité. Donc c'est la partie dans laquelle les invités s'expriment valablement. Et merci parce que vous avez un abus, on a de partout dans deux communes de la ville de Goba, dans quatre communes de la ville de Bukavu, dans la ville de Gisenyi. Merci de nous suivre, nous sommes Hope Chain Télévision, émission Artistas. Elle s'appelle Christelle Briana. Christelle Briana avait commencé bien sûr avec sa carrière musicale d'une manière professionnelle. C'était bien sûr en 2019 et actuellement elle a quatre chansons déjà enregistrées, déjà sorties. Et elle vient bien sûr de la Tunisie, elle réside bien sûr à Tunis. Et je vous rappelle qu'elle est congolaise. Bienvenue, Briana, Christelle. Merci. Ça va? Ça va bien. C'est un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Surtout que tu es une congolaise qui évolue bien sûr en Tunisie. Ça va là-bas? Oui, ça va là-bas, je m'habitue déjà. Est-ce que ta musique est consommée là à Tunisie? Oui, ma musique est bien consommée par rapport à ici même. Je me suis rendu compte que là, j'ai bien évolué par rapport à mon pays. Ah, pourquoi? Bon, je sais pas, je dirais que c'est la chance ou la grâce. Ou il y a des milliers où tu arrives et tu trouves que les choses sont un peu correctes avec toi, bonnes et faciles. Est-ce que tu trouves le temps aussi de se produire là en Tunis? Bon, concernant les temps, j'essaie de mélanger, vu que avant j'ai étudié, je finis cette année, donc je suis ingénieure. Ah, ingénieure, hier. Oui, je suis ingénieure à un bâtiment d'ingénierie civile. Avec les études, c'était pas trop facile, mais je pense que vu que je finis, je veux voir comment accélérer. Et c'est ce qui a fait assez pendant ces deux ans, il y a trois ans. Je n'ai pas beaucoup fait de choses, donc je n'ai pas fait assez de choses parce que avec les études, c'était pas facile. Alors moi, ce qui m'étonne est que comment tu t'es marié la musique avec tes études? Bon, je dirais qu'il faut seulement faire la part des choses parce que je mariais trois choses. La musique, le travail et les études. Et les études. Oui, donc j'ai appris que dans la vie, il faut seulement savoir faire la part des choses. Il y a les temps pour la musique, il y a les temps pour les études et il y a aussi les temps pour les travaux. Le temps pour la musique, parce que nous parlons de la musique aujourd'hui. Alors, la Tunisie, est-ce que tu trouvais le temps pour aller voir la musique tunisienne? Ben oui, j'ai trouvé le temps pour voir la musique tunisienne et j'ai eu la chance au début quand je suis arrivée à Tunis. Parce que quand je suis sortie ici, quand je quittais la ville de Goma, c'était en 2020. En 2020, début 2020 si je ne me trompe pas. Et ce n'était pas trop facile, vu qu'ici j'avais déjà quelqu'un qui m'aidait. Qui, par exemple? Karomo. Karomo. Ah, Filemo Karomo, c'est lui ton manager. Oui, au niveau d'ici, vraiment, il m'a beaucoup soutenu. Et en quoi, concrètement? Ma première chanson, c'est lui qui avait produit. Quelle chanson? J'ai la liberté. Et Nestré, on a tapé là. Non, peine si j'ai comme on a comme un yé. Comme un guine si tu quenda balina mou penda yé. Napsi yangu il y a choku d'onda en si cou il est. Ne l'y poku tana na yé. Maraya quoi. Tu as une très belle voix. Merci beaucoup. Mais Briana, comment maintenant tu vas faire? Tu as fini avec tes études, maintenant tu es ingénieure. Et à bientôt, tu seras mariée. Tu es en train de t'emboter, pourquoi? Parce que pour l'instant, je me concentre sur des choses, ma musique, ma vie. Ta vie, professionnelle, quand je parle de la vie, je vois professionnelle et je dois d'abord m'arranger. En fait, je ne suis pas encore prête pour m'engager dans un mariage. Pourquoi? Je sais pas, je pense que la question du mariage, c'est une question de choix. Et c'est pour toute une vie. Tu vis d'abord la star? Non, pas ça, juste que je ne suis pas encore prête. Bon, il y a bien sûr des prétendants, il y en a, mais... Ils sont au moins de combien? Beaucoup. Beaucoup, hein? Alors, comment tu arrives à sortir? Bon, la musique, beaucoup de prétendants.
Je gère seulement, je suis habituée. Mm. Bon, je gère de, aussi avec une sagesse, bien sûr. Oui. Je les gère et je les dis aussi la vérité d'une part, mais d'une manière un peu sage. Sage. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà, alors avec bien sûr ta musique, j'ai écouté l'une de tes chansons, Madjabou. Madjabou, moi j'ai aimé, hein. Merci beaucoup. Très chanson, tu peux dire, c'est quoi le message dans cette chanson, Madjabou? En fait, dans cette chanson, j'avais chanté ça quand j'étais à Tennis. Mm. Normalement, je devais faire une de mes chansons qui est maintenant en studio. Mm-hmm. Ça s'appelle Nabenga Kayo Yaya. Mais directement, Madjabou. Maintenant, je devais sortir cette chanson. Je devais aller au studio, disons le lendemain, et le soir, je priais. Oui. Et j'avais pris ma guitare. Mm-hmm. Malheureusement, je n'ai pas marché avec. Oui. Et le serait de Madjabou. Ok. Ametena Madjabou, Nami siwezi kueleza. Nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, oh. Ametena miujizo, oh. Nami siwezi kueleza, nami siwezi kueleza, ay. Siwezi kueleza, oh. Alikufa msalabani. Ok, alors Briano, parce que tu es trop surchargé, ingénieur déjà, full. Alors parle-nous un peu de ton séjour à Goma. Pourquoi tu es à Goma? Tu as fini tes études, voilà pourquoi tu es de retour à Goma ou tu vas rentrer encore à Tunisie? Bon, je finis bien sûr, mais je pense que je vais encore rentrer. Mm-hmm. Je suis venue à Goma juste pour déposer quelques invitations. Mm. Parce que je vous ai dit qu'il y a un concert que je prépare. Ouais, donc tu es en train de préparer un concert. Ça sera où? Ça sera à Bujumbura. Ah oui, les concerts que j'ai annoncés. Hein. Oui, les 4 et les 6. Les 4 et les 6. Au fait, ça sera, c'est divisé en deux parties. Mm-hmm. La première partie, ça sera avec des pasteurs et des parents. Mm-hmm. Dont nos responsables, je fais dire. Mm-hmm. Donc ça sera un concert privé. Oui, ça sera une soirée barbecue. Mm-hmm. Parce que c'est les concerts que je vais faire en question, c'est quelque chose d'humanitaire. Mm-hmm. Où on va aider les veuves et les orphelins. Mm-hmm. Alors, j'ai donné des invitations. Alors, en fonction de ça, je me suis dit que ça ne serait pas aussi honorable, mm-hmm, d'aller seulement récolter ou avoir cet argent chez les parents comme si on les avait... Mm-hmm. Comme si c'était une dette ou quoi. Alors, on a voulu aussi honorer les gens qui ont travaillé avec nous, qui nous ont soutenus dans les idées. Ah, donc, ça sera sur invitation. Oui, ça sera sur invitation pour les 4. Les 4. Oui, oui. Et les 6. Pour les 6, c'est public, c'est tout le monde et c'est gratuit. Ah, juste... Alors, comment tu vas faire? Un conseil gratuit? Oui, c'est un conseil gratuit, mais j'ai eu à annoncer et à dire à toutes les personnes presque que j'ai invité, même dans mes affiches, c'est écrit que c'est humanitaire. Nous soutenons le veuve et les enfants. Donc, il faut que chacun vienne avec quelque chose. Oui, oui. Au début, l'idée était qu'on fasse payer. Mm. Mais on s'était dit que ça ne sera pas une bonne idée. Mm. Parce qu'il y a de ces personnes qui ne peuvent pas avoir l'argent de payer, mais ils ont peut-être du sel, des cerveaux et des quelque chose. Alors, parle-nous un peu comment ça sera, ces deux concerts-là à Bujumbura. Nous sommes bien sûr à Burundi. Hein. Oui, oui, oui. Bon, comme je l'ai dit, ça sera en deux volets. Mm. Comment tu les prépares, Mina? Est-ce que tu es prête? Moi, je suis vraiment prête parce que je ne travaille pas seule. Mm. Je travaille avec une équipe. Sur l'affiche, on va chanter 4 personnes. Mm. Qui est qui? Il y a la sœur Nicole Ngabo. Elle est de Goma. De Goma, ouais. La sœur qui avait chanté Moyo Wango. Ok. Oui. À part elle. Et il y a aussi le frère Roger Ebondo. Il est de Bujumbura. Bon, pour l'instant, vraiment... Ils cartonnent, donc la plupart, je dirais, à Bujumbura connaissent les forts parce qu'ils chantent comme Papa Wemba. Ouais, oui. Et il y a aussi le frère Roger, le frère Moses. Moses. Moses de Ogras. Mm-hmm. Lui aussi chante très bien, c'est un frère qui me bénit. Mm-hmm. Donc, on va faire ça à 4. À 4. Maintenant, vu que moi je suis ici, et la sœur pour l'instant elle est encore ici, pour l'instant ce sont les deux personnes qui travaillent là à Bujumbura. Oui, oui. Et la réservation des deux salles est déjà faite.
Oui, il y en a. Bon, pour les concerts, on a pris une église, bien qu'on a payé. Pour les concerts D6 ou D4? Non, non, D6 d'abord. D6, hein. Pour les concerts populaires. Oui, on a pris une église, l'église Adonai de Bouiza. Donc, c'est juste au 3e avenue. À Bouiza, beaucoup de gens. Déjà, tu connais très bien Bujumbura. Oui, oui. Et vraiment, moi, j'essaierai de ce côté-là, ces jours-là. Donc, vous êtes déjà mon invité. Je suis déjà invité. Je vous invite. Oui. Alors, pour les concerts VIP, vous avez déjà prévu une salle VIP? On a déjà tout prévu. Tout prévu. Ça sera où? Et ça sera à Kamenge, 9e avenue, numéro 12. 12. À l'Épiphanie. Oui. Alors, après ces deux concerts, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Bon, après, d'abord, c'est des concerts. On a prévu, parce que vu que la chose qu'on a organisée, c'est, ça sera humanitaire. Oui. Et on s'est dit faire quelque chose de différent. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens font des concerts humanitaires, mais après, on ne voit pas où est partie ces choses-là. Cet argent-là. Bon, je n'ai pas dit... Moi, je ferais les suivis. Bien sûr, bon, je n'ai pas dit qu'ils mangent ça, non, mais on a voulu faire quelque chose de différent. Voilà. Donc, après les concerts, on ira avec le média, voir ses enfants déposer ces choses. Ah, oui. C'est bien. Pour c'est que bien. Ça soit un peu clair. Médiatiser aussi. Alors, parce qu'à part l'instant, il y a la fille, elle s'appelle Onikas, qui le capte, bien sûr, depuis quelque part avec... Emmanuel Meloman, alors bien sûr, tu vas faire quelque chose, tu vas improviser quelque chose pour annoncer tes deux concerts, ça va? D'accord, merci. Tiens, moi, il vit en improvisant. Là, voici ma joie des concerts, et ça fera plaisir à Thierry Mouema, ingénieur, comme toi, franchement, parce qu'il est ingénieur, Thierry Mouema, est toujours en train de nous suivre. Ouais. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un plaisir de ma part. Oui. Improviser quelque chose pour les concerts? Quelque chose de bizarre, chanson. Oui, chanson, quoi. Chanson, pour annoncer les concerts, en chantant. En chantant. Oui. Nawa alika nini wote, joni tushereke. Oh, oh, oh. Nawa alika nini wote, joni tushereke. Tukiwa saidia. Maskini na wajane, kwani Biblia inasema, dini kubwa, ni kumsaidia yatima na mjane. Voilà, merci je beaucoup. Vous invite. Merci. Alors, Brianna, Christelle, comment les gens vont faire pour te joindre maintenant? Pour me joindre, je vais leur donner mes contacts. Ah, ça dérange, bon. Je suis aussi sur la page, j'ai une page Facebook. Mm-hmm. J'ai une chaîne YouTube et j'ai aussi un compte Instagram. Allez-y, allez-y. Ben, sur la page Facebook, c'est toujours Christelle Brianna. Sur ma chaîne YouTube, c'est toujours Christelle Brianna. Donc, partout, c'est Christelle Brianna. Et sur WhatsApp, je peux aussi. Sur WhatsApp, c'est +216 26 27 19 20. D'accord. Alors, Brianna, merci d'être venue. Merci. Bonne chance dans ta carrière, dans la suite, bien sûr, de ta carrière. Et je signale, bien sûr, ma présence à Bujumbura pour les deux concerts. En tout cas, merci beaucoup à l'homme qui te soutient, Caro Monfilemon. Merci beaucoup. Voilà, on va laisser te quitter avec un extrait de l'une de tes chansons, à procès, bien sûr, par Magnifique. Et après quoi, sera le tour de recevoir Eboaloté, qui est, bien sûr, dans le meilleur.